Toujours dans les bonnes adresses, aujourd'hui c'est l'Art Divin, un super caviste qui est aussi bar à vin et il établit des cours d'œnologie. Jérôme va nous expliquer tout ça, suivez-moi. Hello Jérôme. Salut Guilherme, tu vas bien? Bien toi? Ouais, impeccable. Alors moi j'aime beaucoup venir chez Jérôme parce qu'il y a toujours des coups de cœur et autres. T'as combien de références à peu près? J'ai 300 références de vin, dont 50 de whisky, de cognac, d'armagnac, de calva. Ouais. Et également des produits terroirs tels que du saucisson, un peu d'huile d'olive, des petites choses comme ça. T'as une région coup de cœur non? Alors je fais toute la France en général, ouais. Mais je dénise surtout des choses dans le Languedoc parce que c'est une région émergente depuis quelques années et je trouve qu'il y a des petites pépites à trouver qui sont formidables. Et tu fais pas que caviste aussi, hein. Tu fais aussi des cours d'œnologie, je crois. Exactement, à côté, j'ai une salle de dégustation. Ouais, on peut la voir? Ah bah bien sûr, avec plaisir, je t'emmène. Génial. Donc les soirées dégustation qui se présentent généralement le vendredi. D'accord. De 20h à 22h, c'est des cours d'initiation, découverte. Ouais. Toujours accompagné de charcuterie avec 5 vins, une petite formule sympa, conviviale, découverte. Dans la convivialité, ouais. Du vin surtout, parce que c'est le partage. Et ça se partage en différents moments, différents styles. Voilà. Ça se partage, ça me donne très envie. Ah, là. J'ai très envie de déguster. Tiens, je vais faire goûter un aligoté. Ouais. Bouzeron. Génial. Qui vient de Bourgogne. Il fait un peu saliver, il donne envie d'en boire. Quoi. Il y a de la minéralité, il y a du côté sec, vif, complexe. Donc il faut aussi un peu de charcuterie pour accompagner. C'est génial. Un allié pour le vin. Voilà. Et ben, je te propose qu'on trinque à ça. Au plaisir. Génial.